Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans ce deuxième épisode sur Wildstar. Donc c'est le deuxième épisode qui sera donc qualifié de premier à la fois dans le cadre de la vidéo découverte. Donc ce sera un premier épisode de l'aventure entre guillemets. Donc on va reprendre comme ça. Tant pis, c'est pas grave, je mettrai 0-1. Hop, est-ce que je peux entrer dans le jeu s'il vous plaît? Merci. À l'autre épisode, on verra bien. Donc, ça c'est bon de ce côté-là, ok. Visitez votre capitale, donc ça m'intéresse pas. Récupérer. Donc j'y ai pas rejoué depuis. Hein. Sur son sol. Je vous attends. Alors, nous bienvenue. Ce monde. Va voir la pilote Icario, s'il te dira ce que tu peux faire pour te rendre utile. Et fais attention à la foudre, oui madame. Il la est foudre. Pour toi d'y aller. La foudre. Oui, je si, la foudre frappe comme un point de Dominus, d'accord. Ok. Pilote Icarios, bonjour. Mets-toi en route, chef. Tous les isolables les plus sophistiqués du monde ne serviront à rien si l'on n'arrive pas à tenir cette ligne d'approvisionnement. D'accord. Fais pas attention, lieutenant, elle est un peu coincée, mais elle n'est pas méchante. Quoi qu'il en soit, c'est un honneur de te rencontrer. J'ai entendu parler de tes exploits à bord de Destinée. Merci. Vraiment que j'arrête de jacasser comme une pie. Voyons voir ce qu'il y a à faire. Éclairer la voie. Damzine a besoin d'approvisionnement, mais entre ses fichus temps et les bêtes sauvages, nos gars sont mis à rude épreuve. Va allumer les signaux lumineux et profites-en pour éliminer quelques-unes de ces sales bêtes. Je vais le faire. Ah, dommage pour les bestioles. Finissons-en avec le cube du savoir. C'est une opportunité d'enquêter sur les disparitions des Eldan. Le protocube devrait en apprendre beaucoup, un peu pour peu que Dame Zin arrive à le localiser avant que partir liste ce rapport de mission de la Chambre des Ennemis examine cette infocube. Le Collégium Royal ne connaîtra le repos qu'une fois les mystères autour des Eldan. Ok, je bouquine récolte donc. Folklore acquis. Ok. Donc ça c'est uniquement sur... D'accord, il y a une espèce de... 45 mètres. Le projet Nexus, sans conteste, la plus ambitieuse entreprise scientifique. Salut explorateur, la société d'exploration. Moi explorateur, dans société d'exploration, plein de missions pour tous. 5 pour toi, B de Lévian, alors va, saute, grimpe et marche. Le destin de notre peuple et de l'univers lui-même s'en trouvera. Ah merde, c'était ce qu'il entend. Il était en train de le lire, d'accord. Bon, c'est pas grave, tu es des créatures, on a plein de missions à faire. Cartographier la baie de Lévian. Ok. Et donc, il y a des bestioles aussi à buter, apparemment. Dagon. Alors. Ok, que je me rappelle de mes sœurs. Écrasement, d'accord. Ok, vous avez reçu un bonus, tout ce qui affecte votre indiqué, d'accord. Par contre, c'est nul que ce soit affiché ici, enfin je veux dire... c'est de loin le pire emplacement du monde pour afficher quelque chose. C'est pas grave. Artefact. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un mauvais pressentiment, tu m'étonnes. Bonjour. Vous semblez un peu balèze, vous monsieur. Je suis hors de portée, moi du gland. Hop. Tiens, bouffe. Ici, artefact Eldan, excavation. Vous pouvez choisir champ atténuateur, protection démolition. Alors, végacité du bouclier. C'est quoi la différence? D'accord, donc on a un bouclier qui serait identique au mien, un bouclier qui serait moins puissant, moins efficace, mais plus rapide à régénérer. Je préfère prendre un gros bouclier, d'accord. Je vais chercher d'autres artefacts comme celui-là, d'accord. Ok, hop. Ok, peu importe. Ah, j'ai été trop con. Ici, qu'est-ce que c'est? Récupérer. Début du défi. Ok, voyons voir ce que tu sais faire alors. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Et de deux, d'accord.
Et de 3. Ça c'est de la quête. J'aurais me concentrer sur les mollusques. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Défi terminé. Yo. Alors l'ami, j'ai peut-être terminé un défi, je sais pas pourquoi ça me sert. Tiens, bouge-toi ça. Regarde. Bam. Tu l'as senti ma grosse main? C'est censé faire quoi ça? Hop. D'accord, c'est instantané. Butin. Oh, c'est cool ça. J'aime. Ah, c'est beaucoup moins chiant que le reste des butins. Pigé, je te remercie. Récupérer des bouts d'artefacts, écoute, ça me dérange pas, hein. Hop. Tiens, prenez ça. Hop là. Double tuerie. Succès obtenu. Voir. Cool. Écoutez, j'ai buté deux mecs en même temps, ça m'a apporté un succès, donc c'est assez cool. Le jeu n'est pas vilain entre guillemets. Encore un coup et je vous bute tous les deux. Double tuerie. Double tuerie. V. Hop les. Ça c'est pas la classe. Oh. Fourrure. Ok, j'imagine. Ne regarde pas comme ça, hein. Ça changera rien. Ah oui, ce message est chiant. Si c'est quelqu'un sait comment on peut l'enlever, ce serait cool. Merci. Hop. Oh, il y a un bout d'équipement là. Donc, I pour inventaire, je présume. Et c'est une armure lourde qu'on ne peut pas porter pour l'instant. Dommage. Est-ce que je peux les... Oui, normalement, je peux les... Je peux les recycler normalement. Ah d'accord, je peux garder le costume si je le souhaite. Donc de celui-là aussi j'aimerais. Ok. Et je ne peux plus le recycler, d'accord. Je commence à comprendre le principe. Donc il y a une boutique de commandes. Alors, ce serait intéressant de voir du coup. Où est-ce que ça va se passer? Et H pour héros, non, c'est pas ça. J, ça c'est quoi? Boutique, non, ça ne m'intéresse pas la boutique. D'accord, c'est ici. Bonne fortune de Madame Frey, je sais pas ce que c'est. Fait offre nouvelle et passionnante et bonne aventure pour durée limitée. Fait horizon pas bon, ça bon. Fait dommage, tristesse. Est-ce qu'on parlait? Inventaire du compte, personnage, voilà. Classe, race, humain, d'accord, ok. Vocation 1, faction d'accord, changer de titre général, nouvelle recrue, voilà par exemple, si vous voulez. Assembleur d'archétypes, journal de quête, recherche de contenu, réseau social, d'accord. Ça va être pas loin de personnage alors. Ah non, ça l'a déséquipé. Donc, où est-ce que je suis censé trouver en fait le fameux système de inventaire du compte et au compte et au personnage, d'accord, ok. Bon, c'est peut-être en allant voir un personnage ou aller dans une maison, je sais pas, ou un truc dans le genre. On se renseignera là-dessus une autre fois. S'ils m'en ont pas parlé, c'est que ça doit pas être accessible pour le moment, je présume. Hop. Parfait. Un bout supplémentaire. Terminé. Parler à l'érudite Valensa. Pourquoi pas. On fera ça tout à l'heure. Hein. Allumer les signaux et buter des ennemis. Bah écoute, vendu. Allume-moi ce signal. Bouffez ça.
Hop. Double tuerie. Double tuerie, j'aime bien quand il dit. Oh putain. Ça me plaît quand il le dit, franchement, autant vous le dire. J'adore quand il le dit. Vous avez vu le champignon bizarre là-bas? Dégage. Double tuerie. Bon, ils m'ont rien donné, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bizarre. 720 mètres. C'est très bizarre. Ah bah, y a un truc bizarre aussi. 660 mètres, c'est très bizarre. Ça doit être l'objectif en fait quand j'appuie sur F. Allumons les signaux, c'est pas grave, on continue dans la même direction. En voilà sûrement un autre. Ok, vendu. Et encore un. Parfait. D'accord. Au niveau de la map, on m'a dit c'était où? On va aller voir les deux endroits. Hop. Ça me dit pas où, ça me dit pas où c'est. Hein. 161 mètres par là. Et celui-là, 613 mètres. Ça, c'est par où ça? 214 mètres, mais c'est en hauteur. Bah, commençons par éclairer la voie. Où le personnage se trouve ici. Artemisine et toi êtes sur la piste du protocube dans l'ancienne et mystérieuse station Starcom. D'accord. Trouve le cube et tu deviendras une superstar. Échoue et tu finiras super mort. Dans les deux cas, que le spectacle commence. Ok, vendu. Allez l'ami, fais pas traîner les choses. Alors, beau travail, mais j'ai peur que tu arrives un peu tard. Damsine est déjà partie pour la station Starcom. Quoi, elle est déjà partie? La nature infusée de Damsine est bien connue de l'holo public. Trouver Artemisine. Protège-pied Starcom. Damsine m'a demandé de retrouver ses cambots disparus. Charge que je te délègue avec plaisir. Ils ont été chapardés par des malverines. Commence donc par tuer quelques-unes de ces bestioles. Je m'en charge. Je vais leur dire que t'es en route. Ouais, c'est cool. Tu veux acheter? Je veux vendre. Tant qu'à faire, je veux vendre aussi. Hein. Ah cool, l'interface est pas si mal en fait. Vendre les déchets, d'accord. Ok, cool. C'est très très cool, j'aime beaucoup. Je l'avoue, j'aime beaucoup. Cependant, j'aimerais comprendre quelque chose sur la map. Est-ce que ça veut dire que c'est une quête disponible ou pas du tout? Parce que ça se fait où ça? D'accord, ça se fait par là. Bah pourquoi pas. Par contre, si tu peux sauter mon personnage, ça serait cool. Merci à toi. Ennemi, ennemi, allié, allié. Yo les mecs, et donc vous êtes balèze. Hop, double tuerie. Y'a rien par là. Ça me gratte sous le poignet, c'est chiant, voilà, merci. Oh, t'es stylé toi. Daguin de Hell Tempête. Ça a l'air vachement cool. Je te bute. Hop les. Tu ne donnes rien, c'est dommage, j'aurais pensé que t'étais une espèce d'élite. Il y en a d'autres par ici. Double tuerie. On a encore un ici. Ok, bouffe ça. Et celui-là. Et celui-là. Oh, tu m'as donné des bobottes. Que je ne peux pas porter, mais c'est trop gentil. Franchement, je...
Je te remercie. Alors ça me gratte toujours, c'est marrant. Il y a quelque chose qui doit m'irriter. Hop. Juste pour voir. D'accord. C'est par là apparemment que je trouverai le premier cambot. C'est bien ça, hein, c'est vraiment d'accord. On y est. Il est là. Capteur hors service. Ah, dans la merde toi encore. Ok, et dehors. Là, il y a une espèce de bouquin. Ces prédateurs bipèdes sont particulièrement vicieux. Ah oui? Ils ont un comportement très territorial et anormalement agressif. L'espion qui gère ce cadavre mutilé par l'uniforme porte l'uniforme des agents de la confrérie sombre. Sa présence indique que les exilés ne doivent pas être loin. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Je dois reconnaître que ces créatures sont un remarquable produit de l'évolution. Je dois m'en souvenir pour mes futurs travaux. Hop, fait mal. Tiens, tu sais quoi, reste couché. On va faire des vacances. Bam! Hop! Hop! Faudrait que je pense utiliser ma fameuse arme, ma fameuse forme spectrale aussi, ce serait cool. Alors. Il va être en combat. Bah oui, je me doute. Je me doute. Ok, boum. Merci pour le croc. Ça, c'est vraiment gênant, je suis désolé. Hein. Je dois faire soit une petite allergie, je dois faire, soit quelque chose comme ça. Hop. Ok, bouffé. 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 Bouffe. Bouffe. Pouf! Triple tir, succès obtenu! Triple menace! Cool! Doué pour la chasse, impressionnez-vous. Une giboyeuse ignorante à des rares runes, si tu le dis. Mais je vois pas où est-ce que. Pourquoi il me l'affiche pas directement le succès? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Rien. En tout cas, rien d'intéressant pour moi. Ici, par où je suis censé aller en fait. Ok, j'ai une quête là-bas. Donne-leur de quête. Qu'est-ce que t'achètes ça? On va y aller. D'abord, on va visiter quand même l'endroit là. D'accord, des putains d'escargots de tout à l'heure. Ah oui, je voulais visiter aussi l'endroit là-bas. Ah, il nage. Est-ce qu'il plonge? Je pense que techniquement, il plonge. Oui, oui, il plonge. Ah, génial! Ils ont pensé à tout. Excellent. Pas d'ennemis sous-marins, cependant, en tout cas pas encore. Ah, quoique, Samson. Samson, hein. Ah, donc il y aura potentiellement des combats sous-marins. Génial. Génial, génial. Alors, je ne suis pas fou, je vois bien que les éclairs viennent de ce machin-là. Eux m'ont semblé agressifs l'espace d'un instant, mais je me suis trompé. Voilà, éclair. Ok, y a rien. Y avait rien. Échec cuisant. Alors. Retournons voir au point de départ. Hein. On verra bien ce qu'on a trouvé. Hop. Cartographie 7%. Ouais, ouais, ouais. Bon. C'est pas grave, ça c'est mon vaisseau. Non, ça c'est un bateau, je suis con.
Bref, où sommes-nous? Oh, il y avait un point violet. Il y avait clairement un point violet, je l'ai pas inventé. Oula. Yo, c'était ça le point violet, non? Non, bah non, j'en ai déjà buté une comme ça. Oh, dommage. Ok. Bon. Vous voyez, il y a encore un point violet, là. C'est quoi, ça? Vous pouvez pas encore faire ça. Bon, bah, ok. Allez vous faire enculer. Ok. Psycric. Double tuerie, parfait. Je sais pas ce que c'était, apparemment c'était des bonus, pas des malus. Mais je les ai... Je les ai enlevés, entre guillemets. Ordre de déploiement. Pourquoi pas, c'est du folklore encore, j'imagine. Je me doute que c'est pas ici que je dois être, effectivement. Par contre, là, il y a un super véhicule, hein. Ok, bon. C'est de la balade, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait des montures, ce serait cool d'en avoir une aussi, mais bon, c'est pas pour tout de suite, je présume. D'accord. Ça, c'est quoi? Boutique, ça, c'est quoi? Ok, c'est pour faire une recherche. Carte, contrat, envoyer un ticket d'assistance, folklore, gravure de runes, holopendrée. Ah! Débloquer des costumes. D'accord, donc ça c'est les trucs que j'ai débloqués. Ah, j'ai plus l'or qu'il faut, ça m'a coûté de l'argent en grande quantité. Parce que je vois pas du tout où est-ce que je peux voir mon argent en fait, c'est ça le truc. Bon, ça doit pas être très très loin parce que je l'entends faire gling gling. Ah oui, il est en bas, merde, j'ai... Ah oui, j'ai tout gaspillé en... Bon, c'est pas grave. Oh. T'es sérieux là? Je croyais que c'était un coffre, un truc du genre moi. Merde. Alors, Cambot, numéro 2, t'es par là. Bah, t'es en haut de la colline, toi, tous les coups. Pourquoi pas? Allons-y! Ok. Vous voulez du mal, tant mieux pour vous. Double tuerie malgré tout, d'accord. Hé, hey, regardez-moi ça! Gaz niveau? Ah bon? Allez, rends-moi fier et pars tout défoncer sur ton passage! Bah cool. Je suis niveau combien du coup? 4. Merde. Je voulais l'être un peu plus. Caisse tachée de sang. Livraison express. Vous avez trouvé le cadavre d'un coursier tué par un malverine. Il semble évident que ce qu'il transportait était destiné au camp qui se trouve en surplomb. Je vais rapporter la caisse alors. Niveau plus 1, voilà, récompense, lame concentrée, donc nouveau sort. Fait apparaître une psy lame, qui après 3 secondes tournoie vers l'adversaire le plus proche, lui inflige 104 points de dégâts magiques et génère un point psy. D'accord, ok, donc c'est... C'est pas ce que je voulais faire. J'aurais aimé la déplacer, bon, c'est pas grave. Et je vois qu'il y a une espèce de charge. Deux charges d'aptitude. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, c'est le petit robot, le Cambot R2M. Ici Artemisine, j'ai trouvé la station Starcom, mais elle dégrade mon signal de communication. Rejoins immédiatement ma position, nous avons du travail. D'accord, c'est un ordre, hein, c'est clairement un ordre. Bon bah, utilisons notre nouveau sort.
Oh, je pensais que ça le buterait. Meurs. Merci. Donc, j'ai retrouvé de l'or encore, donc je peux peut-être reprendre, finaliser en fait les derniers trucs que j'ai pas, que j'avais pas. Débloquer les costumes. Peut-être l'ai-je déjà. Ah, mais il me coûte 3 pièces de cuivre. 3 pièces d'argent, lui, pardon. Parler à Artemis, d'accord. Apporter la caisse, d'accord. Parler à l'érudite, d'accord. Parler à l'analyste, d'accord. Ils sont tous au même endroit. Pourquoi pas. Ok, ils sont tous là. Oh! Ça en fait de la quête. Allez, parle mon grand. J'ai trouvé cette caisse en chemin. À la prochaine. De rien. Artemis Zin, on va te parler en d'année. Oui. Excavation. Voilà. Ma parole, mais tu en as trouvé plein. C'est extraordinaire. Il faut absolument que j'étudie tout de suite. Et donc j'avais choisi tout à l'heure le truc qui se charge le plus rapidement. Non. Voilà. Celui qui est le plus balèze. Hop. Voilà. Résumé de rune de vie des débutants PV. Épaulier. Bah écoute, on va prendre les épauliers. J'ai que ça à prendre. De toute façon, tout cela n'était que la première étape. Oh, ils sont balèzes ces épauliers, j'aime. Yo. Nous avons à parler. Oh, t'as une super voix. Mon équipe va passer la zone au peigne fin pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres espions. Maintenant, voyons, c'est un faucheron. D'accord. Bon travail. Je m'en souviendrai. Ok, j'ai rien dans la boîte à messages, dommage. Alors. Ok. Par exemple, du coup maintenant j'ai 2 pièces d'argent. Là, je sais que j'ai les... Voilà, normalement j'ai au moins... Ça remonte, ça revient à extrêmement cher, pardon, pas à extrêmement cher. Alors, Zin. Alors ah, mes cambots, parfait. Et de l'aide avec ça. Rappelle-moi de recommander Volaticus en haut lieu. Tu arrives juste à temps pour assister à l'un des grands moments de l'histoire galactique. D'accord, je prends tes protège-pieds. Tu ne dois pas encore. L'insécurité Eldan. 3. Si nous voulons entrer dans la station Starcom, il faudrait que tu ailles désactiver ces systèmes de sécurité internes. Le terminal situé en haut de la station devrait te permettre d'y arriver. Je vais voir ça. Je vais voir ce que je peux faire. Qui sait ce que tu trouveras. Espérons que ce soit bon pour mon audience. Écoute, je vais m'équiper de ça déjà. Oh, les belles boots. Attendez, je sors de l'herbe. Oh, les belles boots. J'ai une super ceinture, d'ailleurs. J'ai trop la classe. Du coup, on va quand même regarder sur la carte s'il y a des quêtes dans le coin, mais apparemment, je n'en vois pas. Eh ben, on y va. Terminal Eldan. Ok. Et genre, si je tombe, je meurs ou je ne meurs pas? C'est quoi, ces trucs? De vitesse. Wouhou! D'accord. Défenseur, elle donne. Mais c'est mes dieux, ça, normalement. Ou je me trompe complètement et. Boum! Début du défi! What? Détruire les machines Eldan avant la fin du temps à partie? Encore faut-il les avoir sous le nez? Ils font pas de dégâts, ça. Hop! Double tuerie. Pouvoir toutes les buter. Hop les. Un de plus. Laina, non? C'en est une, c'est bien ce qui me semblait. Hop! Ça rapporte rien, ça! 22%.
28%, ça rapporte en fait, j'ai rien dit. Cache de pièces rouillées, d'accord. Lui il est défectueux. Donc forcément plus résistant. Ça me semble logique. Ok. 36. C'est cool les défis de ce genre en fait. Hop. J'aime, j'apprécie beaucoup ce jeu. Il y a vraiment un petit côté vraiment génial dans le jeu. Je comprends pas pourquoi il est autant réduit en miettes. Oui, bah j'irai voir tout à l'heure. Malheureusement, j'ai un petit peu de mobs à tuer. Hop. Merci. 56. Ok, 2 de plus, donc à 70, hop, lui. Ok, je l'ai eu aussi. Trouver d'autres robots rapidement. Là, il y en a un. Hop. Là il y en a un autre. 78%. Ouais il y en a. Hop les reste par là. Ah, il est en hauteur. Trop haut, je peux pas l'atteindre. Ah dommage. Je pensais que ça suffirait. J'admets. Ok. Hop les bouffe. Là-bas il y en a un autre, on a 85, il reste plus que 2 minutes. C'est chaud quand même. Hop les. Je suis bon, ça c'est quoi ça? Ah c'est un des grands, d'accord. Je l'avais pas reconnu de loin. Hop, bouffe ça dans le nez. C'est qui m'aide. Ok. Ok. Défi terminé. Défi terminé, génial. On aura eu le super défi de la mort qui tue. Maintenant, c'est par où? C'est par là. Je sais pas trop ce que ça rapporte, ces fameux défis, mais... Écoutez... Ok, salut les mecs. Où est ce fichu terminal? Ok, mais encore. Oh, je viens de comprendre. Ok, attends, on a un holocube là. La station Starcom est l'une de mes plus belles créations. Il s'agit d'un puissant dispositif. La source d'alimentation du terminal est endommagée. Tu vas devoir trouver de quoi la remplacer pour que les souliers ainsi des machines et d'Eldan sont compatibles. Récupérer les fragments de cellules énergétiques. Et sans risque de dégradation ou d'interruption de signal. L'importance capitale des informations que nous allons bientôt envoyer justifie à elle seule tous les efforts que j'ai consacrés à sa conception. Hop, dégagé. Voilà, donc c'est bien dans les bottes. Donc j'aurais pu faire les bottes tout à l'heure en fait. Attendez, il y en a là. Court-circuitage. Quête. Ici Artemis. Les pods énergiques se trouvent sous l'entrée de la station d'aliments. Les systèmes de défense internes en énergie. Soit à travers pour les court-circuiter. Ça devrait couper le courant. Je vais tenter le coup. Du balai maintenant. Il ne faudrait pas que les choses s'aggravent encore. Ok, génial. Oh la vache, ça donne un gros boost de vitesse en plus. Il sera rapide d'atteindre les autres pods plus rapidement, d'accord. Bouffe.
Ouf. Dégage. Dégage. Bouf. Hop. Parfait. Oh, j'ai envie d'essayer sur un gros. Touché. Bouf. Ok, on a fait quelque chose. Maintenant, il faut sauter à travers les pods. Et là, il n'y a pas. C'est pour le communicateur, il sert à Miss. Dis-moi que tu viens faire ton rapport. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est évident, tu non? Tu ne dois pas encore te relâcher. D'accord. Mais oui. Il y a niveau. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors. D'accord. Placement d'aptitude. Piège du faucheur. D'accord. Inflige 180 points de dégâts magiques à un adversaire généré à un point de psy seulement disponible parce que les points de psy sont supérieurs à 2. Ah, d'accord. Parce que j'ai emmagasiné plus de trucs, j'ai accès à un sort qui est plus puissant. C'est pas bête. C'est pas bête, pardon. Cependant, oui, effectivement, j'ai oublié de mettre des points là-dedans ou je sais plus dans quoi. J'ai pas des points à mettre là-dedans? Non? Bon, c'est pas grave, je me trompe. Je confonds. C'est possible, hein. Ça attaque devant moi. Pourquoi pas. Un boost de vitesse, c'est parti. 25 secondes quand même. C'est loin d'être court. Hein. Alors. Hop. Crac. C. Il sert à mise pour circuitage. Tu as réussi, quel exploit, je n'aurais pas fait mieux. Enfin, si, mais la question n'est pas là. C'est électrisant. Artemis, les radiations rayonnelles n'auraient pas provoqué trop de dégâts à long terme. Permettrait d'en apprendre plus sur l'inexcuse grâce à la recherche de contenu. N. Je m'en charge. Je sers tête de loyaliste. Ok, si tu veux. Bien. Très bien. Vraiment. D'accord, ça c'est un... D'accord, c'est du contenu du CE en fait, donc c'est du commande... C'est du donjon. Oula. Hop. On va remonter là-haut. Activer le terminal Eldan. Qui devrait nous apporter apparemment un... Comment... Hein. Serre-tête. Donc on le casque à mon avis. Potentiellement. Alors. Oula. Oula là. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose en soi? Et le 2. Et le 3. 4, 5. Ça pue ça non? Non c'est bon. Oh, mais la bande son est pas si mauvaise. La bande son est pas si mauvaise, j'ai l'impression. Intéressant. Je vais juste revérifier quelque chose au niveau du son. Peut-être baisser un petit peu. Ok. Alors, utilisez le téléporteur. Le téléporteur qui se situe... D'accord. Eh bien, chers amis, avant d'utiliser le téléporteur, on va se laisser là et on va se retrouver dans un prochain épisode, donc dans... Wildstar, donc je sais pas trop comment je gérerai l'arrivée de Wildstar avec l'arrivée de The ABC Murders. Donc bah écoutez, on reverra ça une autre fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, je dois vous avouer que le jeu m'intéresse au plus haut point. Encore une fois, merci à vous de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens. Et yop.